Aujourd'hui, Sancho, nouvelle vidéo spéciale Pakicon 90 Max, les gars. C'est donc la grosse nouveauté de ce soir. On pourra d'ailleurs le refaire dans 3 jours. Donc, à mon avis, ça reviendra, je pense, jeudi. Dans 4 jours plutôt, hein, ça fait 3 jours et quelques heures. Dans ce Pakicon 90 Max, il demande 82 notes pour la toute première équipe. N'oubliez pas, les amis, de poser avec, de vous abonner et de partager un maximum la vidéo. Objectif aujourd'hui de 1000 pouces bleus. Toutes les personnes, si toutes les personnes, les gars, qui regardent cette vidéo, posent le like. Les amis, on atteint un nombre de likes vraiment assez conséquent. On valide du coup cette première équipe. N'hésitez pas aussi à vous abonner, comme j'ai pour le gère. Soyez bons, les amis. C'est bientôt le Black Friday. En plus, ça, J-3 avant le pré-Black Friday. J-5 avant le Black Friday tout court. Deuxième équipe, cette fois-ci, demandez 87 notes. J'ai qu'à mis, les gars, 2,90 à l'intérieur. Hein. C'est énorme. 86 notes avec du boost, les gars. Cette fois-ci, on met Bestlay, d'ailleurs, les frérots, à l'intérieur. Pour la dernière équipe, les amis, de ce pack Icon 90 max. Cette fois-ci, demandez 85 notes avec du boost. Les gars, d'ailleurs, un truc à savoir, les amis, c'est que j'ai packé 4 fois Véron depuis la sortie des packs Icon. Donc là, aujourd'hui, vraiment, j'ai envie, les gars, d'arrêter ce malheur, d'arrêter cette malédiction où on n'arrête pas de packer Véron. Parce que dans les packs héros, j'ai packé 4 fois Nour ou 3 fois Nour, je crois. Véron, pareil, j'ai packé 3 ou 4 fois, les gars, j'en ai marre. Donc là, aujourd'hui, s'il vous plaît, eSport, me donnez pas Véron dans mon pack Icon. Parce que vraiment, les amis, sinon ça a mal se passer. Je vais plus jamais faire de pack Icon de ma vie, les gars, je crois. Vraiment, c'est un truc de fou. Dès que j'ouvre un pack Icon ou un pack héros, c'est soit Nour, soit Véron. Donc là, aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous demande n'importe quel joueur, mais pas Véron, les gars. Vraiment, même si tu me donnes un joueur claqué, je m'en fous, mais je veux pas Véron. Vraiment, les gars, j'en peux plus de Véron. Je fais des cauchemars de Véron toute la journée, les amis. Allez, c'est parti en tout cas pour ce pack Icon. N'oubliez pas de poser avec, de vous abonner et de partager un maximum la vidéo. Soyez bons, les amis, bien évidemment. Et c'est parti pour ce pack Icon. Pas de Véron. Oh, déjà, il a des cheveux. Non. Attends, quoique, BU. Oh, c'est pas Véron, magnifique, déjà. C'est pas Véron, mais ça a pas l'air non plus d'être une victoire. Mais en soi, c'est pas Véron. Bon, on va pas s'en plaindre, les gars. Pour une fois que c'est pas Véron, je suis quand même content, mais je crois que c'est Kluivert. Hein. Je crois qu'on repart, les amis, avec Kluivert. Ah non, même pas. Berkamp 90. Bon, au niveau de la note, c'est quand même pas mal. C'est un joueur qui peut toujours être joué. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas créer victoire, puisque malheureusement, ce n'est pas le meilleur joueur à paquer. Mais il n'y a pas eu Véron, et c'est quand même déjà une bonne nouvelle. 180 000 crédits, quand même, les gars, Berkamp. Hein. C'est pas. Taquet cher. Hein. C'est pas très très cher, sachant qu'il a double 4. Il a contrôle plus en termes de playstyle plus. On n'a pas eu cette étincelle, les gars, malheureusement. On n'a pas eu cette icône-là qui nous fait rêver, hein, honnêtement. C'est bien, bien, bien dommage, les gars, tout ça. Attaquant avancé, plus pour le bon vieux Denis Bergkamp. Il y a Mbappé, les gars, qui vient de marquer sur une passive de Vinicius Junior. C'est parti pour ce deuxième pack icône, les amis. Et cette fois-ci, dans ce pack icône, buteur. Oh là là, Crespo, Hernan Crespo, cette fois-ci. Comment vous dire, les amis, que c'est vraiment une sacrée défaite, les gars. 86 de général à peine, en sachant que c'est quand même un pack icône 90 max. Pour l'instant, 2 pack icônes ouverts et 2 défaites. Bon, moi encore, ça va, tu vois. Mais lui, wow, c'est horrible. Oh, il a déjà quelques icônes. Il y a eu Richcard, Vidic, l'identure après, c'est un prix comme Camille Abili. Sinon, par rapport à son équipe, Grealish, Adama Traoré, Rafinha, Camille Abili donc, Richcard, Bruno Fernandez, Zéroberto, qui peut jouer vraiment partout. Lui, c'est vraiment, les gars, la grande découverte. Hein. C'est vraiment une découverte exceptionnelle sur ce FC25M parce qu'il est tellement polyvalent. Il peut jouer DG, MG, AG, MC. Il peut vraiment jouer de partout. Vidic, Edermite au boost, Jules Koundé. Qui d'ailleurs a changé d'image. Et Thibaut Courtois, voici par rapport à son équipe. Est-ce que le frigo 2002 va avoir du lourd? Et comme moi, les amis, c'est un 2002. Est-ce que être un 2002, est-ce que ça paye réellement ou pas du tout? Allez, une icône de fou là, les gars. Une icône de folie si possible. MOC brésilien, allez. MOC brésilien, bon, ça peut pas être Ronaldinho déjà, les gars. Ricardo KK89 qui tombe. Quand j'ai vu MOC brésilien, on savait déjà que ça va être une big win. 850 000 crédits. Alors là, mon frigo, t'es vraiment à ton prime comme jamais. Par contre, Ricardo Kaka peut jouer que en tant que 10, hein, de ce que j'ai pu voir. Avant, il avait le poste en tant que AC, avant-centre. Mais c'est vrai que cette année sur FC25, ça a été complètement enlevé. 5 étoiles, c'est 4 étoiles de Moipier. Il peut donc jouer en tant que MOC. La carte, elle est démentielle, les amis. L'ancien joueur de l'AC Milan, du Real Madrid, de Sao Paulo, de Orlando City, de pas mal de clubs. Il a tir en finesse, passe incisive, full et rapide. Et sinon, rapide plus en termes de playstyle plus. Meneur de jeu plus pour Ricardo Kaka qui coûte donc 850 000 crédits. Les gars, la grosse victoire de la journée, les amis. En tout cas, pour l'instant, au vu de ces 3 premiers packs icônes d'ouvert. Il a packé Salma Parallo, lui par contre, il est bien. Jérôme Roussillon qui est représenté par le joueur français Fouma. Peut-être qu'il va te permettre de prendre pas mal de grèves, je te le souhaite en tout cas. Allez, les amis, là on est ressorti d'une très très belle victoire. Il faut enchaîner, les gars, avec une win de zinzin si possible. Allez, après Ricardo Kaka, est-ce qu'il y a encore moyen, les amis, de vibrer ou pas du tout? MC, allemand. Oh, Mataus! Si c'est Mataus, c'est une dinguerie, frérot. Si c'est Mataus, c'est une réelle dinguerie. Est-ce que ça va être ou pas? Je crois que ça va être Schweinsteiger. Il me semble avoir reconnu Bastian. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Ouais, c'est Bastian Schweinsteiger. C'est dommage. Parce que t'aurais pu avoir Lothar Mataus. Et là, t'aurais eu l'une des meilleures icônes possibles. Ça aurait été incroyable. Mais c'est quand même Bastian Schweinsteiger. Ça coûte 200 000 crédits. C'est pas non plus sensationnel. Mais je pense que c'est quand même un joueur qui se joue en soi. Même s'il a que deux. Ouais, double 3, ça c'est un peu dommage. Mais après, il a quand même des stats dans le vert de partout, hein, en soi. Lui, en tant que numéro 6, ou même... Si après, toi, ça te dérange pas trop
de faire très peu de gestes techniques. En vrai, je pense qu'il peut vraiment bien te dépanner en soi. Hein. Jure Jojo le Modo, les gars, il a fait une équipe 100% marseillaise. Luis Enrique, Wai, Greenwood, Holzberg, Aminarit, Koné, Quentin Merlin, Brassi, Balerdi, Murillo et Rulli. Ah, t'as fait une équipe 100% olympique de Marseille. Et déterminée, la vérité. En plus, t'as fait là les évolutions et tout. Franchement, t'es bien. T'es bien, t'es bien. Allez, Jojo le Modo. Est-ce que Jojo le Modo, les gars, va repartir avec une dinguerie ou pas du tout? Et merci à Tiesto, du coup, pour les subs. Et oui, le monteur qui fait une petite apparition parce que musique copyright, vous connaissez lors du sub. Et attention, BU espagnol. Fernando Torres, par exemple, ça peut être lui ou pas du tout? Ou Raoul, peut-être. Je pense que ça va être Raoul, les gars, à mon avis. J'ai l'impression d'avoir reconnu sa silhouette. Et ce sera Raoul 90. Raoul, en vrai, c'est quand même plutôt pas mal en soi. Hein. Après, c'est un joueur qui est pas évident à jouer. Mais si t'arrives à jouer avec lui, t'es vraiment bien. Il vaut 560 000 crédits. Franchement, t'es reparti avec une sacrée victoire là, moi je trouve. C'est quand même sympa. C'est pas du niveau d'un Mateus, ce genre de joueur. T'aurais pu avoir Boutragueño, t'aurais pu avoir Fernando Torres. Mais tu repars avec Raoul. Et pour moi, c'est un joueur qui est assez sous-coté dans le jeu. Il est vraiment sympa. Après, ça dépend si toi tu vas réussir à bien jouer ou pas du tout avec lui. Il a tiré en finesse en plus. Hein. Donc, c'est quand même un sacré pestel plus. Attaquant avancé plus plus pour le bon vieux Raoul. Lui, il s'en fiche royalement du pack icon. C'est un petit pack party back ce soir. MC français. Ligue 1, ça peut être qui ça en vrai? Il y a Tanguy Ndombele. Ou sinon, il y a Warren Zaïre-Emery. Je crois que c'est Warren. Et oui, les gars. Warren Zaïre-Emery dans ce pack party back. En vrai, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Il coûte combien Warren? À 130 000 maintenant. Il a quand même bien, bien, bien chuté en termes de prix. Ça coûte plus aussi cher qu'avant. Il a double 4 lui normalement. Bon, il a bien double 4. Encore une équipe 100% marseillaise. Enfin, 100% marseillaise. Soit c'est des joueurs en activité ou même il y a des joueurs qui sont passés par Marseille. Par exemple, Guendouzi, Aubameyang, Brice Samba, il faut pas l'oublier, c'est vrai qu'il a joué à Marseille. De Sailly, William Saliba aussi également, Nuno Tavares, etc. etc. Zambanguissa aussi, ce fut un temps. Donc ouais, Tiesto, il se fait plaisir avec Tiesto le Modo. Il se fait plaisir les amis avec des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille ou des joueurs en activité qui jouent, alors on se parle, à l'OM. C'est parti Tiesto. Allez, une belle 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 icône si possible. MDC, Richcard, je pense, hein. MDC néerlandais. Est-ce qu'il y a un autre joueur que Richcard en soi à pouvoir packer? Il me semble pas, les gars. Est-ce que ça serait pas le bon vieux Richcard? C'est bien ça. Rijkaard, du coup, 87. En vrai, ça c'était bien au début du jeu. Est-ce qu'il est encore jouable, lui? Sachant qu'il est repositionné en tant que DC. Et est-ce que c'est une big big win? 340 000 quand même, hein. Il coûte encore quand même beaucoup. C'est quand tu veux, mon frérot. Salut Ragnar, comment tu vas? RTTK, Total Rush, Trailblazers, Pack, les amis. Ton jeu est en anglais, logique. Maintenant, vous le savez pour ceux qui me suivent régulièrement, pourquoi? DC, Suisse, La Ligue 1 et Ricardo Rodriguez. Bon, déjà, ton pack party bag, il est pas bon. Ce pack icon peut toujours être sympa, surtout si tu repars avec une dinguerie. Là, par exemple, CZ, lui, va repartir avec. Où c'est qui ça? C'est Scholes, je pense. Attends, ça joue soit entre Lampard ou Gérard, il y a même skippé son pack. Paul Scholes, les gars. Oh, ah, c'est pas terrible, terrible, hein. C'est pas fameux, fameux, les gars. Je vous en ai même pas parlé, mais voici, les gars, les grosses victoires hein, dans ce pack icon 90 packs. On retrouve quand même Ruud Gullit, Gareth Bale, Matau, Jairzinho, Vieira, Daglish. Bon, déjà, la première ligne, elle est sensationnelle. La deuxième ligne avec Samuel Eto'o, Drogba, Ferdinand Cantona, Boutragueño, Roberto Carlos. Troisième ligne avec Georges Best, Lilian Thuram, Franck Ribéry, Kaka, Rooney, Chéline. Et pour la cinquième ligne, du coup, Stoïkov, Del Piro, Fernando Torres, Camila Bidi, Laurent Blanc, Raoul. Ça, c'est par rapport aux meilleures, aux plus grosses victoires, du coup, les gars, à voir dans ce pack icon 90 packs. Appuie sur le bouton et c'est parti. Il a fait aussi le pack party pack, mais pour l'instant, il a ouvert. Oh! Ah non, c'est pas celui que je pensais. C'est qui ça? Hein, ah, c'est Carles Puyol. J'ai vu un mec au taquet touffu. Je me suis dit à tout le monde, ça va être Gullit, mais pas du tout, les amis. Ce serait Carles Puyol, à mon avis, et non pas Fernando Hierro. Il a contre en plus de ça, ouais. C'est vrai que là on pouvait pas l'avoir avec tous les packs icônes 88 max. Puisque désormais c'est un 90 max, forcément comme il a 89 de gêne. Il peut tomber, et il est tombé. 166 000 crédits pour Carles Puyol. Et maintenant le party bag, RTTK du coup, Europa League, MDC, Eustachio. C'est dommage parce qu'un Garnacho ou même un Romero ça aurait pu être pas mal. Del Piro c'est Edwin du coup. Del Piro c'est sympa, après les gars Del Piro c'est un joueur assez long. Del Piro c'est pas le joueur qui va falloir... Vous allez pouvoir repartir dans la profondeur. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que tu peux dégainer des grosses enroulées. Une équipe cette fois-ci 100% toulousaine. Ça, ça fait plaisir, ça, les gars. Ça fait kiffer. En plus, il a fait valise d'évolution. Guillaume Rest, qui n'est pas évolué, ce qui est logique, puisque les gardiens, il n'y a pas d'évolution. Djibril Sidibé, champion du monde. Rasmus Nicolaisen, Mackenzie, le bon vieux Soiseau, Caceres, Yann Bo. C'est vrai qu'il y a aussi lui, mais il joue pas énormément. Zach, Donum, Franck Magri et Zakaria Aboukal. Et il est où, Joshua King, dans cette histoire? Il aime pas là Joshua King. Ah, il est peut-être pas dans le jeu aussi, Joshua King, tu me diras. Peut-être qu'il est pas dans le jeu, les gars, lui. Je vous avouerai que j'ai même pas fait gaffe. C'est vrai qu'un petit Joshua King, ça aurait quand même été encore plus sympathique. C'est une fille. Chéline, peut-être. Buteuse. Oh, anglaise, du coup, c'est qui ça déjà? Ouah, c'est vrai qu'elle était là, les gars, l'année dernière. Mais c'est qui déjà? Comment elle s'appelle? J'ai complètement zappé son nom de famille. Et c'est Smith, c'est vrai. Smith 89. Kelly Smith, je crois que c'est son prénom. C'était Kelly, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Kelly Smith. Ça coûte combien exactement? 300 000, les gars. 300 000 crédits pour Kelly Smith. Elle a coup de pied arrêté en playstyle plus. 88 de rapidité, 90 de tir, 84 de passe, 89 de dribble, 46 de défense, 67 de physique du coup pour elle. Elle peut jouer qu'en tant que buteuse.
Au niveau des playstats, après, il n'a pas énormément de playstats non plus. Hein. Faut tester. Je t'avoue que j'ai jamais joué avec elle aujourd'hui cette année. Et du coup, il a mis Ricardo Kaka, les amis. On est de retour sur le compte à outils. Et Ricardo Kaka, qu'on lui a packé juste avant, il est déjà dans l'équipe. Logique. Ricardo, c'est quand même quelqu'un. En plus, ballon d'or, Ricardo Kaka. Maintenant, c'est un pack party back cette fois-ci. Total rush, ça commence assez mal, je pense. Hein. MOC. Oh. Alors là, autant tout à l'heure, ton pack icon, c'est vrai qu'on pouvait crier victoire, mais là, c'est une défaite à dents. Pack party bag, et ensuite, après, Daniel, le devinette devinant du jour, hein. Enfin, de la semaine. J'espère juste que tu vas bien le gérer, ce devinette devinant, parce qu'en règle générale, t'es pas bon, je te le dis, voilà, je balance. En règle générale. Je suis bon, les amis, je suis bon. Ouais, non, parce qu'en règle générale, quand tu dis la bio, tu dis le nom du joueur, ou tu m'aides, tu vois ce que je veux dire. Non, mais. Mais c'est parce que le dernière fois, Dimitrov, son père, il s'appelait Dimitrov, vous dites, faut. Ah ouais, ils s'appellent tous pareil quoi. C'est terrifiant. Bref, exactement. Allez, c'est parti pour ce pack icon 90 max, les amis. Et c'est parti, devinette, devinons, saison 2, épisode 6 peut-être. Et c'est parti, les amis. C'est ouvert pour ce pack icon 90 max. Du coup, n'oubliez pas de poser, c'est que ça rajoute des joueurs supplémentaires. Évidemment, n'oubliez pas de poser le like et de vous abonner à cette vidéo YouTube. Les amis, soyez bons. Et on découvre le joueur magnifique. Alors, je vais commencer à préparer une petite page Google. C'est pas que le joueur est inconnu, hein, loin de là, mais vaut mieux avoir un petit peu de Google. Sûr, c'est une fille. Bref, pas du tout. Ce joueur-là a joué à l'Olympique de Marseille. De Sailly. Et c'est une mauvaise réponse, évidemment. Et c'est une bonne réponse. Devinette devinant plié en 2 secondes. Mais c'est trop facile. Les devinettes devinant, je suis un génie. Je vous le dis, les amis. Je vous le dis. Laurent Blanc, mais c'est une masterclass par contre. En plus, c'est ton chouchou. Donc en vrai de vrai, c'est cool. C'est mon 550 000 crédits pour Laurent Blanc, les amis. En vrai de vrai, c'est plutôt pas mal. Il se régale de fou. Surtout qu'il a anticipation en PlayStyle Plus. Là, il est vraiment très 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 bien, les gars. Virtuose, les amis. Regardez-moi cette équipe de chanceux. L'équipe de Zinzin, les gars, qui l'a. Virtuose, c'est à ton tour désormais, les gars. On refait le devinette devinons, les amis, parce que là, c'était beaucoup trop facile. J'ai plié tout ça en 2-2, les amis. Attends, juste avant, pack party back quand même. Dans le pack party back, il y a un joueur RTTK de Ligue des Champions, buteur. Ce sera le bon vieux Florin Balogun, bien évidemment, qui joue à l'AS Monaco. Il a pris un plus 2, lui, d'ailleurs. C'est vrai qu'avant, il était à 86, je crois qu'on pouvait le packer en tant que RTTK. Mais comme l'AS Monaco a été bon, justement, en LDC, il a pris 1 plus 2. Allez, c'est reparti, les gars, pour la devinette devinons. Cette fois-ci, s'il te plaît, un peu plus de suspense, un peu plus de piment. Un peu plus de suspense, les amis, pour ce devinette devinons. Cette fois-ci, c'est l'épisode 7, du coup, les amis. Donc, le pack s'ouvre, évidemment. Qui va-t-on avoir dans ce pack? C'est la grande question que le son pose. Et ce joueur-là, alors, tu sais quoi? Déjà, moi, je pense à un club, mais, avant toute chose, je vais quand même aller vérifier quelque chose sur Google pour pas te donner quand même une information beaucoup trop facile. Ce joueur-là a joué évidemment à Manchester United. Ferdinand. C'est une mauvaise réponse. Vidic. C'est une mauvaise réponse. Best. C'est une mauvaise réponse. Ah là 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 là. Ça peut être Paul Scholes, par exemple, les amis. C'est une mauvaise réponse. Van der Sar. C'est une mauvaise réponse. Il y en a marre, les amis, là. C'est qui à Manchester United? Il a joué à Manchester United. Ce n'est pas Eric Cantona. Il a joué également à Chicago Fire. Super. Là, il a terminé sa carrière. Bastien Schweinsteiger. Et c'est une bonne réponse. Oh là 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 là. Mais respectez-moi, les amis. Respectez-moi, s'il vous plaît. Ah, vous voulez, je suis chaud, là, ce soir. Ouais. Parce que là je les enchaîne, tu sais que par contre il l'avait déjà. Oh là là, Bastien Schweinsteiger doublon. Alors là les amis, c'est vraiment la triste nouvelle. J'ai l'impression que Virtuose il rejoint la team des personnes maudites. Comme moi les amis avec Véron. Désormais c'est Bastien Schweinsteiger. Ça se tente les gars ce pack icon, même s'il coûte très cher. En soi ça se tente, on sait jamais si tu repars avec une icône de fou. Surtout que c'est pas un pack hero là, c'est quand même un pack icon les gars. C'est quand même quelque chose. Ah, t'as déjà packé 3 FC Pro, surtout que t'as packé le joueur qui est représenté par le premier mondial. Et c'est Fabio Carvalho ouais du coup. Sinon au niveau des icônes, Paul Scholes, Luis Hernandez, Laurent Blanc, Robert Pires. Donc en soi t'as eu une très très belle victoire surtout. Après les autres c'était un peu moins fou. T'as mis Mohamed Salah en mode du coup petit design centurion. Bon Ivanan, est-ce que tu vas repartir avec du lourd ou pas du tout sur ton compte? Elle est la question. Est-ce que les amis la chance va être au rendez-vous sur son compte Trailblazers déjà. Voilà, je vous l'ai dit les gars. Je savais déjà que ça allait être du Trailblazers dans ce pack party bag. Buteur égyptien. Wow, au tout début j'ai pensé à Mohamed Salah mais c'est pas possible les gars. Momo Salah n'est pas un buteur. C'est bien évidemment l'homme en forme, l'homme qui entraîne tout pété du côté de la Bundesliga et même en Ligue des Champions, Omar Marmouche, qui avait mis d'ailleurs énormément de coups francs en une seule semaine. Il n'a pas marqué d'ailleurs ce week-end. Hein. Ce week-end, c'est Mario Götze sur une passe décisive de Hugo Ekitike. Bon, c'est parti, Ilana, en tout cas, pour ton pack icon. Déjà, c'est un homme très touffu. Milieu gauche,
Nedved, Pavel Nedved. T'avais déjà un milieu gauche avec Robert Pires, le grand Roro. Et là maintenant c'est Pavel Nedved. En soi c'est pas la folie les gars. Pour moi on n'est pas sur une sacrée victoire. Après tu peux le repousser peut-être en tant que numéro 10. Peut-être que toi tu le joueras. Mais je pense que là elle doit être assez triste les gars. Je pense pas qu'elle soit très heureuse plutôt d'avoir Pavel Nedved. Le trio spécial Barça féminin, c'est vraiment une masterclass. Salma Parello, Alexia Putellas et Caroline Hansen. Franchement les gars, on est sur un trio de qualité. Le soldat, on t'a pas encore appelé aujourd'hui. Le soldat, c'est ton moment. Sois bon au moins une fois dans ta vie les gars. Regardez le soldat, les amis, qui ouvre le pack. Le soldat, il est on fire là aujourd'hui. Je vous le dis, il va nous packer une dinguerie. MC anglais. En vrai, c'est Steven Gerrard de bien Frank Lampard. En soi, on peut se dire que c'est une grosse victoire. Surtout que ça va pas être Paul Scholes. Et ce sera donc Frank Lampard que j'ai déjà moi aussi dans mon équipe qui est très très bon. Bon forcément plus le temps passe et plus il va commencer à être dépassé. Il coûte 175 000 crédits, il a quand même bien chuté. Il a drastiquement chuté ces derniers temps Frank Lampard avec l'arrivée du BF, du Black Friday. En parlant de Mohamed Salah, est-ce que c'est pas une dinguerie quand même le début de saison de Momo Salah les gars. Encore ce week-end il a claqué un doublé, d'ailleurs il est déjà en train de garder ses packs pour le Black Friday. Il est on fire. Et ouais le début de saison de Mohamed Salah les gars, c'est vraiment une dinguerie. Encore un doublé, après il a mis un but sur penalty, tu me diras. Oh lolo. Je crois que les amis, on vient de packer le pire joueur de la soirée, Yann Rush. Alors là vraiment c'est compliqué de faire pire en soi hein. 87 pour Yann Rush. C'est vraiment pas beau du tout. Une carte les amis qui est vraiment pas belle. On n'a pas du tout envie de le jouer lui également. Chéline, Xabi Anzo, Ashley Cole. Il a eu ces trois icônes là. Déjà ce que l'on peut te souhaiter c'est de ne pas avoir de doublon. Sinon ça va être très compliqué. Allez pas de doublon déjà pour commencer s'il vous plaît eSport. DC, anglais, ouh si c'est Rio Ferdinand c'est une masterclass les gars. Si c'est le grand Rio. Oh c'est Rio Ferdinand. C'est Rio Ferdinand les amis. Oh là 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 là, incroyable. Rio Ferdinand 88. Toi t'es très bien. Il se régale comme jamais. Pas de doublon, une icône de zinzin. Toi frérot, là t'es refait, hein. T'as le meilleur décès du jeu, ou l'un des meilleurs décès du jeu en tout cas. 82 de rapidité, 90 de défense, 85 de physique, anticipation plus, en termes de playstyle plus. C'est magnifique, un joueur les gars de zinzin. Vraiment compliqué d'avoir un meilleur décès que lui honnêtement. Alors là t'es trop bien frérot, 1 200 000 c'est énorme. Avec qui toi de base en décès? Bon, il est tellement bien lui les gars. C'est une dinguerie. En plus je l'ai reconnu avec ses dreadlocks Rio Ferdinand. On l'a paqué. En vrai Rafa, je crois que Rafa c'est la fin. Je crois que Raphaël Varane il a peut-être fait son temps les gars. Raphaël Varane c'est quand même match avec 285. Je crois que maintenant on laisse place à cette charnière 100% icône les gars. Marcel Desailly et Rio Ferdinand désormais. Là t'es bien. T'es très bien. Ok c'est bon les gars, son pack icon est ouvert les amis. Pack icon d'ouvert, 32% du chat parce qu'on aura 89 ou 90. Une icône 89 ou 90. Ouh ça va être qui ça? C'est Philippe Lam non je crois. Philippe Lam après il est pas MDC. Il doit se prendre comment le jeu en partage les gars. Il bug de zinzin par contre. Ah le jeu en partage il est condensé Il avance petit à petit les gars. On a l'impression que c'est la chenille là. La réponse à prédiction d'ailleurs c'est un oui les gars. Gros GG au 32% du chat qui avait dit oui. Pack icon sur le compte au monteur les amis. Et c'est le soldat qui va donc s'en charger. Allez une belle icône les gars sur le compte au monteur. C'est quand même très sympa. Buteur. Ouh, il vient de paquer son chouchou les amis. Il vient de paquer son chouchou, moi je vous le dis. Le grand Stoïkov, l'année dernière il l'avait surkiffé. Et il retombe, Risto Stoïkov, ça vaut 700 000 crédits. Franchement c'est une sacrée victoire les gars en soi hein. L'année dernière je crois qu'il avait joué quasiment 1000 matchs avec hein, avec Risto Stoïkov. Comment il est au taquet bien. Il doit être content les gars je pense quand même d'avoir Stoïkov. Et puis même ça a bien changé quand même au niveau de sa team. Parce que je vais vous montrer l'équipe du monteur. Comme il a plus les gars retouché au jeu depuis la première semaine, ben son équipe elle est pas faux folle les gars. On va pas se mentir qu'on est vraiment sur une équipe de non qualité. Là au moins son équipe elle va re-upgrade un peu entre guillemets. Parce que là on est sur trop de régular. Au moins pour, par rapport à son attaque ça rebouge un peu. Et ça c'est pas mal. Déjà Stoïkov il redonne un peu d'air les gars. Pas qu'il conne en tout cas les amis. Sur le compte au ref, j'ai même pas vu d'ailleurs ton pseudo. J'ai même pas vu comment tu t'appelais. MDC. Ça c'est pas mal les gars, c'est un Ghanéen. C'est Michael Essien, ancien milieu de terrain les amis de l'Olympique Lyonnais. Mais pas que de Chelsea aussi également. Écoute combien encore Michael Essien, 500 000 quand même. Pour un 86 de général, il tient de zinzin en termes de prix hein. Franchement les gars c'est assez surprenant. 3 étoiles de stick, 4 étoiles de Moïse sinon pour lui. Mais après il est très bon hein. Chaque année c'est vraiment une machine de guerre. Il peut jouer MDC tout comme MC. Mais lui c'est vraiment un numéro 6. C'est vraiment... la colonne vertébrale de ton équipe, lui, logiquement. Pack party back, puis après, les gars, on a le pack icon. C'est du Trail Blazers, les amis. Ce sera un milieu gauche espagnol. Grimaldo, ça aurait pu être aussi le joueur de deuxième division anglaise, mais pas du tout. Allez, Randro Grimaldo. Il a pris un sacré upgrade, lui, d'ailleurs, en termes de vitesse, hein, comparé à sa carte régulière. Je crois que sa carte régulière, elle avait peut-être 72 ans, 73, un truc genre. En termes de rapidité, pack icon, les amis, désormais 90 max. Encore un nouveau pack icon, DC espagnol.
Fernando Hierro, il n'est pas dégueu. Si c'est lui, ça peut être sympa. Il n'est pas le meilleur décès du jeu, loin de là, mais il peut peut-être potentiellement t'intéresser. Faut voir après au niveau de ta team. Il coûte 100 000 crédits par contre à peine maintenant, Fernando Hierro. Mais pour moi, c'est un joueur qui m'a testé. Faut voir ce qu'il donne. Moi, je sais que quand je l'avais joué, je l'avais pas trouvé mauvais en soi. Pack party mag, c'est reparti encore une fois, les frérots. Et là, par contre, j'ai l'impression que ça va être une défaite. Julian Brand, sûrement. Ah ouais, lui, il tombe tout le temps. Hein. En vrai, lui, j'ai dû le paquer 20 fois, les gars, je pense, depuis la sortie du pack party mag. En même temps, ça fait 106 milliards. Deux fois qu'ils le remettent celui-là. Même si dans ce dernier pack party pack ils ont rajouté les ceintures, je crois que c'est ça les gars. Il a un nombre de packs incalculable. Par contre, je sais pas depuis combien de temps tu gardes tes packs toi mon frérot. Mais toi t'es vraiment armé comme jamais pour le Black Friday, vraiment. T'es déterminé. Buteur, Stoïkov encore une fois les amis. Encore une fois Risto Stoïkov. On l'a eu tout à l'heure sur le compte au monteur. Et désormais il va tomber sur le compte du Toulousain les amis. Et ça, ça fait kiffer. 700k hein, pour Stoïkov. Faudra que tu me dises d'ailleurs toi si t'as bien kiffé ou pas du tout. Tu me donneras un peu ton retour dessus Choupi. Dans quelques jours. Allez, soyez bon, Yé. Soyez bon, soyez bon. Ça va être un joueur assez sympa. Et oui, ce sera Edwin van der Sar, les amis. Ce sera Edwin van der Sar. En vrai, au tout début, je me suis dit, mais ça va être un attaquant, tu vois. Ça va être un mec bien technique et tout. Pas du tout, en fait, rien à voir. Edwin van der Sar, en vrai, c'est archi propre. T'as eu l'un des meilleurs gardiens du jeu. C'était peut-être même le meilleur. En soi, le meilleur gardien hors icône spéciale. Parce que là, c'est une icône de base. Je pense c'est Buffon en soi. Et juste derrière tu dois avoir ouais je pense Edwin van der Sar. Ah oui, il faut que je réponde les gars à la prédiction, bien vu. On va répondre à la prédiction du coup en même temps les amis. Une icône européenne du coup c'est un oui les gars. Oh George Best, l'une des meilleures icônes possibles à avoir dans ce pack icône. Incroyable, 90 de gêne, 1 100 000 crédits pour lui. Oh là là les gars, ça vient de tomber là. Les grosses grosses victoires s'enchaînent les amis hein. Franchement George Best est tellement bien. En plus de ça il peut jouer en tant que MD, MOC, AD, AG. Donc il est grave polyvalent là pour le coup. Merci beaucoup en tout cas Romain pour ton trimestre, ça fait extrêmement plaisir. Merci les gars à tous les frérots qui soutiennent. C'est un buteur néerlandais. Daniel, est-ce que tu as une idée ou pas du tout? Leuvert. Leuvert, il a dit Patrick, mais ça sera pas Patrick Daniel. Denis alors. Ce sera le grand Van Nistelrooy. Rude. Rude Van Nistelrooy les gars. 3 étoiles, j'essaye 3 étoiles mon IP. Wow, le double 3 il fait mal les gars. Il fait mal de fou. Il coûte 80 000 à peine, c'est pas beau.